Toi aussi, t'aimes voyager léger, hein? Ouais, ben j'essaye parce que bon, déjà j'ai moins d'affaires du fait d'habiter dans une ville neuve. Et puis bon, Ah, ouais, plus le comme choix. j'étais, ouais, plus le choix. Et puis malgré tout, comme j'étais quand même en itinérance là pendant l'interrail, j'ai traversé 9 pays, mais j'en ai vraiment visité 6. Et du coup, dans chaque pays, je faisais une ou deux villes. Donc ça veut dire que je bougeais à peu près tous les 3 à 4 jours. Donc de faire le sac à dos, les transports, etc. Je voulais me rendre ce service-là, de pas me porter 20 kilos sur le dos pendant un mois. Ouais, c'est Et clair. ouais, en fait, finalement, tu te rends compte que bah, ce dont tu as besoin, c'est pas d'avoir tous tes habits préférés. Enfin, t'as pas besoin d'avoir 15 de tes chemises préférées. Tu peux en avoir 2 ou 3, et puis c'est très bien, tu les laves et ça va, quoi. Et au final, ça te permet d'être plus flexible pour voyager. Mais il y a des moments où je faisais juste un stop dans une ville, mais j'avais pas d'hébergement. Donc ça me permettait de visiter quand même avec mon sac à dos sans que ce soit insupportable.